Coucou tout le monde, c'est Martin Walker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Killing Floor Twisted Christmas Event. Et donc je voulais dire qu'ils auraient peut-être pu mettre un indice, hein, car sinon si vous connaissiez pas le jeu Dwarf, hein, vous étiez quand même un peu cucu. Donc du coup je vais me taire, nous allons tout de suite, je vais chercher une partie, voilà. Et on se retrouve dedans les amis, allez à tout de suite et transition. Et bah les amis, voilà, regardez d'ailleurs, dès que j'ai lancé le jeu, j'ai le succès de la hache Dwarf qui s'est activée. Donc du coup là, je n'ai pas assez pour acheter le canon et la hache Dwarf un peu plus cher. Donc du coup, je vais devoir me contenter de ça et on est déjà à la 10. Ouais. Donc du coup, je pense que je vais couper la vidéo et qu'on se retrouvera dans une autre partie parce que là, on doit affronter le patriarche malheureusement. Alors les tapettes, vous en voulez plein vos gueules? Alors les tapettes, vous en voulez plein vos gueules? Fini de jouer les gentils! Je recharge! Ouais, bref, donc du coup, dommage que je sois arrivé à la dernière vague. Donc nous allons couper la vidéo dès que le patriarche sera... Le patriarche, pardon, sera mort. Et on se retrouvera dans une autre vidéo, hein. Voilà, ça pète dans tous les sens, c'est joli. Moi, il me faudrait bien une arme. Allez, crève-toi. Et voilà, hop, ta merde, c'est fait ken. Et voilà. Donc du coup, on va se quitter sur ça et on se retrouvera pour une autre partie. Allez, à tout de suite, les amis. Bon bah les amis, me revoilà dans une partie. Cette fois, je suis à la vague 2. C'est un tout petit peu mieux. Comme ça, au moins, je pourrais avoir assez d'argent pour acheter la dwarf ou alors le gros canon Z. D'ailleurs, le canon Z, parlons-en. Donc du coup, le canon Z, c'est un canon laser qui utilise le Z time pour et en même temps l'apesanteur de la lune pour faire des effets de bullet time. Du coup, quand la grosse sphère temporelle s'active quand on la balance sur un ennemi, et ben l'ennemi est ralenti à l'intérieur de la sphère. Et après, bien sûr, on peut l'achever avec les pistolets laser, le canon laser, pardon, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un succès. Ah merde, j'ai des petits lags. La map, elle me fait laguer, je sais pas pourquoi, d'habitude, ça me fait jamais laguer. Autant se faire des kills là. Et voilà, grenade. Non, tu m'auras pas. Saleté de Gorefest. Voilà, faut faire gaffe. Car même le couteau, quand je suis en level 3 Berserk, c'est pas la meilleure arme. Laissez-moi le temps de recharger. Non, tu m'auras pas. Et voilà, crève. Donc en attendant, nous, on va aller chercher les munitions.
Il reste combien à chercher? Ok, une. Alors, on va chercher des munitions. Ça m'évitera d'en racheter, hein. Ok, bon, moi, je vais camper à la marchande. Patati et patata, tralala et lalala. Ah, j'adore jouer avec la pesanteur, c'est génial. À l'aide, je vais crever. Ah, mais normal, je joue avec des débutants, là. Ils sont que level 1. Ok. Bon, c'est pas grave, tant qu'on est 6. Mais un peu goûter à sa bande de bâtards. Reste tranquille, je... Allez hop là, on va voir la marchande. Alors on va voir, il reste combien encore? Ok, il reste un. Ah, c'est... Qui veut mes jolies flingues? Moi, ouais, j'en veux plein. Alors oui, on va voir. Pour l'instant, le seul truc que je pourrais m'acheter qui serait utile, c'est ça. Mais bon, on va faire des économies. Allez, venez si vous en avez. Hop là, hop là. Alors ouais, on va voir, est-ce qu'ils ont tout pris ici? Ouais. J'aimerais bien les aider en leur faisant débloquer le canon laser, mais bon. Allez, on se retourne. Est-ce qu'il y a tir allié? On va voir. Ah mec, il a déjà débloqué le canon laser. Ah, le joli bug. Ah mais faut se barrer mec, tu fais chier toi, arrête de nous bloquer. Allez gars, il faut fuir. Allez hop là, on va par là nous. Ouais, c'est bon, il y a du monde ici. Grenade. C'est bon, la biatch est mort. Saleté de Gorfat, mais il y en a partout de ces merdes. Oh là 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 là, ça devient chaud là à tenir. Ah, heureusement que j'ai Berserk, car quand vous avez Berserk, les ennemis ne peuvent pas s'agripper à vous. C'est ça qui est très bien. Et bon, il y en a, il a le trench gun. Vous savez que le trench gun tire des balles enflammées, c'est ça qui est très bien. Comme ça, au moins, quand on tire sur le patriarche, on peut voir où il se trouve. Mais bon, il y a certaines personnes qui se font buter très facilement. Ah putain, vas-y. Ah, jouer avec la pesanteur, c'est génial, regardez.
leurs munitions. Attendez, je recharge. Allez, on grimpe. Non, on monte les escaliers. Et en même temps, on saute. Tra-la-la-la-la-la-la. Ok, génial, j'ai les pare-balles. Ah, je l'ai pris avant toi, lol. Lolilol. Lolilol. Bon, bah, à la manche d'après, je pense que je pourrais acheter la hache. Mais bon, on va quand même acheter des munitions de pistolet. Voilà. Ça va, tout le monde a un bon ping. Et ils ont, avec la mise à jour, ils ont même pu mettre le nombre d'argent que nous avions. Alors moi, j'en ai un 37. Ouais. Il y en a, il a 0 puisqu'il a acheté la grosse arme laser. D'ailleurs, qui est très utile, c'est l'arme fatale pour le contre le patriarche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Ok, génial, il y a pesanteur. Oh, ça va commencer à arriver ici. Ah, désolé, c'est un peu fort. Allez, crève. Voilà, de la fumée verte. Allez, il me faut 1700 pour avoir la dwarf axe. La dwarf axe. Haha. C'est axe, c'est encore mieux. Elle crève. I love ammunition. Et non, tu m'auras pas. Toi, tu descends, tu restes en bas. Headshot. Ah merde, il y a déjà le, il y a déjà un tronçonneur. Je veux dire, on appelle ça plutôt un scratch. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Allez, c'est bon, on a 1600. Allez, encore un peu et on a 1700. Allez, encore un peu d'argent. Ouvrez-moi, je recharge. Couvrez-moi, je recharge. Hop là, voilà. Des fois, il y a des petits bugs où on voit pas quand vous rechargez. Ça, c'est bizarre. Mais bon. Alors, où est-ce qu'il se cache, le dernier? Normalement, il doit nous suivre, donc du coup, il doit être sur nos pas. Où est-ce qu'il peut bien être? Bizarre. Ah, c'est bon, il est mort. J'adore l'accent qu'il a. Qui veut mes jolies flingues? Allez, c'est bon. Oh, j'ai la grosse arme si je veux. Donc, je pense que je vais plutôt acheter la hache parce que la grosse arme, j'ai pas assez. Hier, j'aurais pas assez pour les munitions, regardez.
Attendez, si je l'achète. Est-ce que j'aurai assez? Non, j'ai pile 1000 épées Claymore. Je vais acheter la hache dwarf. Ok, voilà, l'âge dwarf, elle est géniale. Donc, une fois que je l'ai, on va... Le succès, c'est de tuer combien des barbaques par derrière. Je sais pas combien il en faut déjà. Oh. Donc, du coup, on va se faire encore 2000 et après, on achètera l'arme laser, les amis. Ah, zut, va. Alors toi t'es à moi. Ah merde, il l'en kill. Ah voilà. Alors suivant. Y'en a trop. Je remets une mission. Allez, casse-toi. Là, c'est terrible, le carnage. Et voilà un succès. C'est bon, j'ai débloqué Bad Santa. Et bien sûr, Bad Santa, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Hop là, je remonte. Regardez la hache dwarf. Et hop là. Alors voyons voir. Et qu'est-ce que ça fait si je vends la hache dwarf? 1005 5 6 7 8. Ouais, j'aurais même pas assez. On va s'en tenir à cette hache. Et après on achètera autre chose, d'accord les amis? Ah, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Oh bien sûr, on est d'accord, hein. Ok. Sinon, la hache dwarf est très dure à utiliser, j'ai l'impression, puisque j'arrive à faire peu de kills avec, même si je fais du 500. Il faut combien mes alliés? Ouais, même si je fais du 507. Oh, cool, un fusil. C'est assez difficile de se débrouiller avec. Donc, on va regarder nos alliés. Ce que je vous ai vendu, c'est du bon. Faites-en bon usage. Et hop là, la tête. Allez, crève, va au diable. Wouhou.
Oh merde, y'a deux screts là. Attendez, je recharge. Je remets des munitions. Allez, crève. Bon, toi t'es mort, allez à toi maintenant. Ah, regardez la grenade où elle va. Et boum. Loupé. Ah, un putain de gros fail. Et voilà, toi t'es mort, je sais pas où il est passé, mais en tout cas, il a dû aller sur Terre. Normalement, les expressions, c'est « je vais t'expédier sur la Lune », mais moi, là, je vais t'expédier sur Terre, quoi. Oh là là, BDM. Rêve. Du coup, à chaque fois que les cadavres, je les bute avec la hache, je sais absolument pas où ils passent. C'est bizarre. Regarde s'il n'y a pas une arme à piquer. Ah, il y a les munitions là-bas. Il n'y a pas notre truc à piquer ici. Ok, c'est ici. Il n'y a plus qu'à attendre le dernier. Ah bah c'est bon. Arme spéciale, munitions, armure, tout doit disparaître. Bouge pas, j'essaie de te soigner. Donc du coup, est-ce que ça me ferait assez pour avoir l'arme magique? Ouais, ça me ferait pile assez. Je suis raide. Tu peux m'avancer un peu d'oseille? J'ai laissé de l'oseille, si ça intéresse quelqu'un. Eh, filez-moi du blé. J'ai besoin d'argent. Attends, on va leur dire 7, 8, 9, 10. Distribution de pognon. Ah, salaud. Attention, offre très limitée. File-moi du blé. Ok, c'est pas grave. À la prochaine manche, j'achèterai l'arme. En plus, ça me fera pile assez. Faudra que je retrouve un barbac car il faut les tuer bien sûr par derrière les barbacs. Et hop là! Ici le carnage. Alors par ici, il y en a. Ok, ça fait déjà 30 minutes de vidéo, hein. Ouais, on va dire 30 minutes puisque j'ai les autres parties qui sont en cours de chargement là. Hop là. Allez.
Venez tâter de la hache de dwarf. La hache du nain, en fait, je sais pas pourquoi c'est un bon nom, hein, puisque... Et hop là. Puisque c'est des nains qui l'utilisent. Ah, oh, merde. Elle est où l'autre? Casse-toi. La gueule. Hein? Ah merde, putain, je suis mort tout seul. Où est-ce qu'elle est passée, ma hache? Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, ça me fera... combien j'ai combien déjà là? ...1075, il en manque encore un peu. Il aimerait bien savoir où est passé ma hache, j'espère que c'est pas eux qui l'ont. Hein. Sinon c'est pas grave. Vont-ils s'en sortir? Ok, je coupe la vidéo et dès qu'ils ont... Ah mais non, en fait j'ai pas besoin de couper puisqu'il reste que 3 ennemis à crever. Et bouge pas, j'essaie de te soigner. Alors voyons voir. Ok, il y a eu un bug. Ok. Oui, ok. Attends, ils sont derrière la porte là ou quoi? Ok, c'est bon. Du coup, j'aimerais bien savoir où ils ont foutu ma hache parce que hein, j'y tiens ma hache. Allez, vas-y, sois parrain. Lâche-moi un peu de pognon. Quelqu'un peut me dépanner? L'argent, s'il vous plaît. Ah, génial, ma hache. Allez, vas-y, sois parrain. Lâche-moi un peu de pognon. Ok, je vais devoir sacrifier ma hache. Distribution de pognon. Monnaie, monnaie, monnaie. Et voilà. C'est bon, bordel. Je recharge. Soyez fort. Alors comme j'ai combien? Oh, attends, j'en ai pas beaucoup des munitions.
Et voilà. Ok, moi il va me falloir des munitions là. Yes, des munitions. Et voilà, enfin un succès. Ah, plus de munitions. Non, 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 tu vas pas m'avoir. Ah ! Oh mon Dieu, c'est pas vrai, putain. Putain, je vais y arriver. Alors est-ce que je suis die moi? Ok, je suis mort juste ici. Faut que je trouve un passage très rapide. Je descends là, je tourne ici, je prends mon arme et c'est bon, je me casse. Génial. Alors j'ai du combien moi? 870, ok. Bon, allez, je coupe la vidéo, on se retrouve après, même s'il y a que 9 merdes à tuer. Ok, je force, faut que je reprenne mon arme moi. Et voilà, c'est bon. Qui m'a tiré mon arfeuille ? Et la munition pour mon arme. Heureusement que j'ai pris car l'autre il voulait me la prendre. Ça c'est à moi les munitions. Je arrête de bouger, bouffon. Allez, maintenant, on va voir cette arme. Monnaie, monnaie, monnaie. J'ai laissé de l'oseille, si ça intéresse quelqu'un. Et notre grand gagnant est... Ok, je suis prêt à les kill. Voyons voir. Où est-ce qu'ils sont? Oh, ok, il y en a un là. Yop là. 360 arrière. Du jamais vu, les amis. Vous allez voir, vous.
C'est bon, je suis d'ail. Ok les amis, et ben voilà. Je suis de retour, le mec il s'est super bien débrouillé. Un gros GG à lui. Si il regarde cette vidéo, mais bon, ça m'étonnerait. Et donc là on va aller battre le patriarche. Donc du coup il me faut qu'une seule arme, celle-là. Et bien sûr, je me suis mis en commando pour le voir, c'est une bonne technique. Utiliser le commando pour apercevoir le patriarche. J'ai laissé de l'oseille si ça intéresse quelqu'un. Attention, entre très limité. Fric. Il pleut de la thune. Qui veut un max de blé? Donc là, attendez, je vais voir s'il me reste encore de la place. Non. Distribution de pognon. Il pleut de la thune. Il pleut de la thune. Qui veut un max de blé? Distribution de pognon. Ah ah ah, je t'attendais. Ok, il va arriver par en dessous. Qu'il peut se rendre invisible. Donc dans ce cas il devra arriver par là. Attendez, fais une sommation. J'adore cette arme. Ok. Au fait, remarque, les fusils à pompe, quand vous tirez, ils vous font partir en arrière. C'est une très bonne technique pour fuir. C'est-à-dire ce que le mec a utilisé. Là, ça le faut pas qu'il s'enfuit. Il faut pas qu'il s'échappe. Ah génial, ils l'ont eu. Il pleut de la thune. Et voilà. Allez, on se casse. Bon, et ben, c'est sur ce que nous nous quittons. Mais bon, j'ai pas oublié la petite surprise. Allez, changer de caractère et on prend. Et il est où d'ailleurs déjà, Bad Santa? Où est-ce qu'il est? Attendez, faut que je le retrouve là parce qu'il y en a tellement des trucs à débloquer. Et voilà. Et voilà, il est gros, il est sale, c'est un vrai clochard, c'est Bad Santa. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like. Allez, à plus. Salut tout le monde.